Mais je ne suis pas contrariée. Ah, il n'y a pas l'ombre d'un malentendu. Je n'ai subi aucun. C'est aussi très sincèrement que je ne suis pas intéressée par une aide venant du comité de rédaction de Stop ou de quiconque en relation avec ce torchon sale que vous appelez un magazine. Cependant, il y a une chose que vous pouvez pour moi. Vous pouvez aller, vous questionne pas. Elle m'impressionne. Je ne vous compterai aucun honoraire pour cette consultation. Mais docteur, écoutez-moi, je ne voulais pas vous faire de la peine. J'ai confiance, entière confiance. Et depuis que... Elle m'écouterait même après cet article dans cette infaction. Elle a fait ça? Confiance splendide. Merci. Et quand je regarde les jambes de quelqu'un, je ne les regarde que par... Voyons, du calme. Bah oui. Enfin, pourquoi votre femme n'est-elle pas venue avec vous? Pourquoi? Monsieur Broderick, je crains ne rien pouvoir faire pour vous. Je suis psychologue. Oh, mais docteur, il le faut. Quel est ce problème? Oh, plus tard, il faudra que je rencontre Sylvia. Oui. Mais nous n'avons pas à nous occuper de ça maintenant. Non, non, non. Hilda, je vous prie, fixez un rendez-vous à Monsieur Broderick dans une semaine. Merci. Soyez tranquille, Monsieur Broderick. Au revoir. Mais si vous l'êtes... Vous m'épouseriez. Peut-être bien, mais seulement si j'en étais sûr. Arrêtez! Oh, ce que vous êtes conventionnel. Vous nous impose à nous autres femmes. Eh bien, quant à moi, je suis bien décidée à ne pas me soumettre. Vous avez quelque chose de changé, c'est vos cheveux? La barbe. Enfin, en tout cas, lorsque je me marie. Et je tiens à insister sur mes droits avant le nombre d'aventures qu'il me plaira. Je n'ai pas l'intention de sacrifier un iota de mon indépendance et de ma dignité pour un seul homme. Allons. Hey. Quoi? Vous quoi, monsieur Broderick? Ah non! Et pourquoi voulez-vous vous suicider? À cause de vous. Si je ne peux pas vous posséder, la vie ne vaut plus d'être vécue. Oh non, monsieur Broderick, pas moi, c'est de Sylvia qu'il s'agit. Bien. Et où êtes-vous? Oh non, monsieur Broderick, je vous en prie, pas avant que...